En position, le combat va commencer. Ça va être tendu, Sly. Fais bien attention au rocher. Quelle idée d'aborder un bateau rempli d'une centaine de pirates. Tu crois que ta serpe pourra venir à bout de nous tous? Bon, vous tous, je ne sais pas. Mais toi, je pense que je peux y arriver. Ah, arrêtez-le et restez à distance du bateau ennemi. Ça sent l'entourloupe à plein nez. Quelle chance, mes amis. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti la planche. Ton équipe ne ressemble à rien, Lafouine. Où tu les as trouvés? À une vente aux enchères pour débiles congénitaux? Vous avez entendu? Le prisonnier vous a traité de gouaille! Qu'est-ce que vous en dites? Tabassons-le! Mangeons-le au barbecue! Buvons tout son sang! Tu avais raison, Cooper! Ils sont débiles! Il y a des échardes dans cette planche. Pour un marin aussi maniaque, je trouve qu'il y a de l'abus. Tu sais, c'est tout un art de faire des échardes sur une planche à condamner. C'est d'ailleurs ce qui fait toute la différence. Oh, la fameuse planche du condamné. T'es d'une originalité, Lafouine. Pas original? Je suis le marin le plus malin du monde. Seul furon de la fourrure. Pitié, appelle-moi par mon prénom. Encore un coup comme ça et je me tire. Tes pauvres répliques d'acteurs à dessous te tireront pas de là, Cooper. Tu peux faire tes prières. Parole de Lafouine. T'as rien trouvé de mieux comme insulte? Je ferais mieux si j'étais dans le coma, ou si j'étais un singe trisomique et autiste. Tes paroles sont grotesques, présomptueuses et clairement préméditées. Mais si ta langue est aussi savoureuse que vile, les requins vont se régaler. Ça, c'est du vrai langage pirate. Tu mets deux mots qui veulent rien dire à la suite et crac, ça te fait une phrase bien débile. Ouais, c'est ça, pousse toujours. En attendant, qui c'est qu'à la fille, hein? Moi. Et tu la trouveras jamais. Ouais, t'as raison de l'enfermer. Elle partirait en hurlant si elle savait qu'elle a rancœur avec toi. C'est vrai que j'ai un fort caractère, mais je n'ai jamais eu de problème avec les dames, surtout quand leurs bateaux sont à voile ou à vapeur. Je ne m'en fais pas pour Pénélope. Une fille comme elle sera libre avant demain matin, et elle viendra même te narguer. Ta poulette ne s'échappera jamais du fort mort, où elle restera enchaînée jusqu'à ce qu'elle accepte de m'aimer, malgré mes défauts. Bien, le moment est venu de nourrir les requins. Ça marche, Capitaine. Fonce, Murray. Ils ont enfermé Pénélope dans le fort mort. Compris. Le raton
s'échappe. Allez tout le monde, hissez l'étendard, c'est la guerre. Attention Murray, toute la ville nous bombarde. Lâche-moi sur les docks. Je vais chercher Pénélope. Toi, tu surveilles le bateau. On en aura besoin pour filer. T'en fais pas pour ça! Maintenant, fonce! Sly, il y a un autre chemin vers le Fort Mort. Saute sur les caisses flottantes. Pénélope et moi avons créé un passage jusqu'en haut. Pénélope, t'es là? Je viens te sauver. La fouine. Ah, c'est pas vrai. L'asticot a mordu à l'hameçon! Tu pensais tromper le marin le plus malin du monde entier, hein? Eh ben c'est raté! Soldat Jones? Chef! Oui, chef! Prends tes meilleurs hommes et attaquez le navire Cooper. On devrait y trouver tout un tas de rats d'égout. Mais, chef! Ne me coupe plus la parole ou je te coupe la langue! Le navire Cooper va vers la Croisoute, chef! Mille tonnerres! Hissons les voiles sur ce qui reste du mât. S'ils atteignent la mer, ce sera trop tard. Chef, oui, chef! Bentley! Cela n'est pas là et le navire de la fouine te rattrape! Garde ton calme et retrouve-moi à l'entrée du port. Si j'atteins les eaux profondes, je devrais pouvoir me débarrasser de lui. Mais Sly! Garde ton calme. On n'a pas fini. Chut! Ils vont atteindre la mer avec ce vent. George! Oui, chef! On charge les canons et qu'on s'apprête à faire feu. Si le vent les aide trop, il nous restera la poudre. Feu! Vous n'avez pas réussi à sortir du port. Il est grand temps de vous rendre. Navré, la fouine. Mais je pense que dans ces eaux profondes... Assez profondes pour être ta tombe. Gourou, calmeur, go! Sacre bleu! Calme, calme! Allez! Adonata! On est bien! Salut à toi, gourou! Je m'en vais libérer Pénélope! Toi, occupe-toi des pirates qui vont monter sur le pont! Dirige les tentacules avec le joystick analogique gauche et le joystick analogique droit! Et appuie sur les touches R1 et L1 pour cogner!
que deux. Je vais régler ça. Alors, tête d'écaille, tu m'as fait croire que je t'avais coincé pour m'attirer dans les eaux profondes avec cette bête. Je te tire mon chapeau. T'es le reptile le plus futé que j'aurais jamais battu. Tu t'en occupes, Sly? Oui, je domine plutôt bien la situation. Arrête! Gourou, sauf Sly, il sait pas nager. Ok, Lani, mais qui va t'aider? Toi? Non! Personne ne touche à cette tortue! Sauf moi. Alors que mon cœur de pirate s'ouvre enfin! Tu choisis les clopés plutôt que moi, le marin le plus malin du monde! Oui, j'aime l'intelligence, mais il t'a battu à ton propre jeu. C'est lui le plus malin du monde! Mon cœur chavire et ma lame trépigne. L'heure du duel a sonné. Toi et moi allons danser le tango de la mort! Saute et esquive avec le joystick analogique gauche. Adieu, ma douce fleur. Tu as fané dans le sang. Saute et esquive avec le joystick analogique gauche. Thank you.
l'homme le plus malin du monde. La fouine était vaincue. Notre petit génie l'avait surpassé et avait sauvé un membre du clan qui est devenu sa copine. C'était sympa de les entendre parler et se lancer dans des discussions totalement incompréhensibles. Ils avaient tellement l'air d'être faits l'un pour l'autre. Dimitri était amoureux lui aussi, mais de son équipement de plongée. Il nous informa qu'il serait notre homme grenouille pour la mission du caveau Cooper, sans même que nous ayons à lui demander. Et pour la première fois depuis des lustres, Carmelita ne s'était pas pointée pour coffrer tout le monde. Tant pis, je lui enverrai une carte. Faudrait pas qu'elle se sente délaissée.